Bonjour à toutes et tous. Alors cette vidéo est un petit cadeau des guides pour la fête de Pâques. Il y a un message pour chaque signe. Et donc je mettrai sous la vidéo les informations concernant le jeu que j'ai utilisé. Et puis je mettrai également un visuel pour chaque carte qui est sortie pour chaque signe. Donc oui, il y a une seule carte que j'ai tirée. Et donc la première dont je vais parler, c'est celle qui est pour le bélier, qui s'appelle rêve, et qui concerne donc, comme le mot l'indique, les rêves que vous faites quand vous dormez. On vous dit de porter attention à ceci parce que les réponses que vous attendez y sont données. Donc, essayez de porter attention aux objets, aux couleurs, aux formes, à vos sens, aux personnes que vous voyez et votre état d'esprit. Alors, posez bien votre question avant de vous endormir. Vous faites le calme autour de vous et en vous. C'est presque un rituel, hein, c'est le rituel du sommeil, hein, qui va arriver. Et puis le matin, c'est un peu le même principe. Avant de vous lever le matin, prenez le temps de réinvestir votre corps. Essayez de récapituler toutes vos impressions avant de bouger. Vos impressions donc physiques, au niveau du mental aussi. Et puis, dès que vous vous décidez à bouger, à vous lever, eh bien, ayez le réflexe de tout noter. Et puis, alors, soit la réponse vous apparaît tout de suite, soit elle va vous apparaître peut-être dans la journée ou le jour suivant, puisqu'il faut continuer à le faire sur une période régulière. Voilà pour le signe des béliers. Ensuite, le signe du taureau, qui a la carte nommée feuille de thé. Alors, les feuilles de thé, tout le monde le sait, c'est une méthode qui a été employée, qui est encore employée par certaines personnes pour voir l'avenir. Alors, on vous demande, cher taureau, de vous retourner sur votre passé, sur votre lignée généalogique, et puis donc vos ascendants, ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont fait remarquer en développant quelque chose de particulier dans leur vie, même si c'est très anodin, ou même familier en apparence. Donc on y parle d'héritage de dons, donc psychiques par exemple, auquel cas il faut s'intéresser à la façon de voir, de deviner, inventer, par exemple une histoire, la façon de raconter une histoire, la façon de porter son attention, donc d'avoir une écoute profonde par rapport à ce qui est dit, par rapport au son que vous entendez, par rapport à l'attitude de la personne qui est en face de vous. En fait, c'est de vous laisser imprégner par la personne qui est en face de vous. Ce qui va faire que vous allez développer votre intuition, vous allez développer comment dire, la façon
de sentir l'atmosphère, les gens, les choses, tout ce qu'il y a autour de vous. Et même vous, vous allez dégager en fait des vibrations totalement différentes. Qui vont vous nourrir. Voilà pour le taureau. Ensuite, pour le signe des Gémeaux, qui a la carte tirage au sort. Alors, cher taureau, cher Gémeaux, voilà que je me mets à confondre, ça va pas du tout. Donc, chers Gémeaux, je répète, pour vous, en fait, c'est la vie qui vous propose de saisir une opportunité. Vous la savez enrichissante pour vous. Et ce qui va provoquer, en fait, un changement dans votre vie. Mais ce changement comporte quand même un risque. Alors, ici, on vous dit que choisissez-vous? Soit vous répondez oui et vous vous adaptez pour atteindre un potentiel, au moins, que vous savez pertinemment avoir de toute façon. Ou bien vous répondez non et vous cédez. À la peur, la place qui vous revient en fait, la place que vous devriez ou vers laquelle vous devez aller. Voilà. Et voilà, c'est la solution vous appartient puisque c'est vous qui devez choisir. Ensuite, le signe du cancer. Le signe du cancer, vous avez la carte qui s'appelle miroir de divination. Alors, cette carte vous dit le fait de désirer quelque chose ou que quelque chose se produise tel que vous le voulez, la voir apparaître dans votre vie. Actuellement, ça crée un blocage. C'est par rapport à vos pensées qu'il faut que vous puissiez les rendre plus fluides, plus claires. Il faut que vous arriviez à analyser les différents paramètres sous plusieurs angles. Il faut que vous écoutiez, que vous observiez, que vous regardiez ce qui se produit dans votre environnement, parce que en fait c'est le résultat de ce que vous projetez à l'extérieur de vous, donc d'où l'idée du miroir, bien sûr. Et de cette façon, vous pourrez, en voyant de l'extérieur, vous pourrez apporter les améliorations qu'il vous faut. Alors pour arriver à faire cela, il faut bien sûr être le plus calme possible et le plus détendu possible. Voilà pour les cancers. Ensuite, j'en viens à... C'est le signe du lion qui a pour carte le dictionnaire. Alors, c'est au sujet des mots que vous employez, ou que vous entendez, ou que vous écoutez, qui sont très importants. Alors, ces mots vous apportent des informations par leur vibration, c'est-à-dire par la prononciation. Quand je parle de vibration, c'est la prononciation des gens, des autres. Et signification, donc là, c'est intellectuel. Mais aussi la signification symbolique
qu'il vous faut chercher, et la signification qui peut vous venir aussi d'un point de vue analogique. Comme ça, vous avez plusieurs angles d'analyse. Et donc, toutes ces informations dont vous pouvez manquer pour arriver à comprendre le point de vue des autres et amplifier votre champ d'action. Donc, c'est un moyen, une méthode qui vous est transmise en fait. Pour le signe de la Vierge, c'est le mot Chagai. Alors, Shagai, je prononce lettre après lettre parce que je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Vous m'excuserez, chère Vierge. Alors, chère Vierge, cet oracle, Chagai, vous dit que les moments les plus difficiles sont désormais derrière vous. Qu'un cycle que vous venez donc de terminer, qui a été éprouvant, et que maintenant, vous devez construire votre avenir sur de nouvelles bases. On vous dit que le passé, c'est le passé, et que vous devez prendre les rênes de votre nouvelle vie en vous concentrant sur des idées et des objectifs positifs. Ne vous retournez pas en fait sur votre passé. Allez de l'avant. C'est terminé, c'est fini. Voilà. Remettez à l'univers les résidus du passé douloureux. Pour les balances, c'est la carte qui s'appelle psychométrie. Alors, cette carte vous dit que vous pouvez en apprendre davantage sur vous en portant votre attention sur vos goûts, vos attitudes, votre langage corporel, vos objets du quotidien. Alors non, pas d'une façon intellectuelle, hein, mais en adoptant en fait un comportement plus intuitif. Plus intuitif. Laissez-vous guider de l'intérieur. Il faut que vous laissiez plus de place à votre guidance intérieure. C'est quelque chose qui est en train de grandir, mais il faut lui laisser la place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'intellect prenne le dessus. C'est comme une bulle d'énergie qui est en vous, mais c'est fragile. Une bulle d'énergie qui est en vous, qui veut grandir. Mais comme l'intellect vient couper la connexion, donc ça vous empêche de grandir. Voilà. Pour ce qui est du signe du scorpion, alors cher scorpion, vous avez la carte augure. Alors ça me fait sourire vraiment, enfin ça me fait sourire plus que sourire même, parce que cette carte dit clairement, ne cherchez pas le guide à l'extérieur de vous, vous êtes celui que vous cherchez. Vous avez toutes les réponses vous concernant à fleur de peau pour vous et pour les autres. Alors développez juste le talent qui est le vôtre. Et c'est celui qui vous est le plus évident. Alors peut-être que le fait qu'il soit le plus évident et naturel, peut-être que ça vous est. Que vous n'en avez peut-être pas pris conscience, justement. Alors, et donc on vous dit aussi, les autres suivront. Donc les autres, c'est-à-dire les autres talents suivront. Alors ça veut dire que vous n'en avez pas qu'un seul. Mais en fait, il faut faire le premier pas, hein.
C'est un appel intérieur, donc écoutez-le. Et puis, si vous avez peur, eh bien, rassurez-vous, faut pas avoir peur. Puisque justement, la peur, ça coupe aussi le lien. Et puis ensuite, les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, c'est un peu la même chose. C'est dit différemment, mais c'est la même chose pour vous, Sagittaires. Alors, ne cherchez pas la réponse dans les yeux des autres. Vous avez la réponse. Vous la connaissez. Vous n'avez pas à chercher, en fait, l'approbation des autres dans leur regard, dans ce que vous leur dites, dans ce que vous leur transmettez comme message. Voilà, c'est inutile, c'est vous qui avez la réponse, vous avez déjà la réponse. Alors, il faut y aller, faire ce que vous avez besoin de faire. Allez-y en confiance. Allez vers ce qui vous est destiné. Et sachez que vous êtes de bons conseils pour vous et pour les autres. Ensuite, les Capricornes qui ont la carte qui s'appelle Cristaux, qui concerne donc les cristaux. Et chers Capricornes, on vous dit recentrez-vous sur vos propres besoins. Parce que apparemment, vous avez tendance à vous occuper de tout le monde sauf de vous. Votre bien-être est très important, puisque il rejaillira forcément le moment venu sur votre entourage, ceux dont peut-être vous avez peur qu'il manque de soins, de bien-être. Et alors votre bien-être comprend bien sûr votre corps physique, mais aussi votre corps émotionnel, et puis tous les autres. Et le tout, c'est de prendre soin de vous dans un état d'esprit positif, toujours positif, toujours positif. Et les cristaux, j'en fais le lien, les cristaux qui, comme vous, sont, parce que votre signe est élément terre en astrologie, et donc les cristaux viennent de la terre, hein. Donc ce qu'on vous dit également, c'est que ils vous aideront à faire un nettoyage énergétique et à vous réancrer vers vos priorités, en lien, à vous reconnecter à vos priorités. Voilà, cher Capricorne. Ensuite, les Verseaux, qui ont la carte qui s'appelle Phrénologie. Et cette carte qui vous dit, cher Verseau, de faire une pause, de vous recentrer sur les messages que vous envoie votre guidance intérieure. Et parce que alors, ce qu'on m'indique, c'est qu'elle ne répond pas aux sollicitations nombreuses que vous pouvez avoir en ce moment, donc de l'extérieur, hein, les sollicitations nombreuses qui viennent de l'extérieur, de l'entourage. En fait, cette guidance intérieure, c'est-à-dire vos propres guides, sont en train de tenter de vous remettre sur les rails qui correspondent à vos attentes, puisque l'extérieur n'y répond pas en ce moment, et que ça ne fait que créer un brouhaha qui vous empêche de les entendre. Parce que vos propres guides, votre propre guidance intérieure
vous apporte les solutions qui sont pour vous. Donc soyez attentif et ressentez la chaleur dans votre plexus solaire. Lorsque vous ressentez cette, c'est une douce chaleur, attention, c'est pas violent, hein, ça n'a rien à voir. C'est une très douce chaleur, c'est comme une plume en fait, voilà. Au point de vue comme une plume, comme une caresse, si vous pouvez ressentir ce que je veux dire quand je dis que c'est doux, que c'est une douce chaleur. Et donc cette indication-là, quand vous allez ressentir cette sensation, ce sera un oui. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose et vous allez vous poser la question si c'est la solution pour vous, si vous devez le faire maintenant, ou parce que vous dites est-ce que je dois faire ça maintenant? Et donc vous faites le calme et vous allez ressentir quelque chose au niveau de votre plexus. Au niveau de votre plexus, quand vous ressentirez cette petite chaleur, ce bien-être, ce sera un oui. C'est pour vous aider. Après, peut-être que vous aurez autre chose comme type de message pour vous indiquer que c'est un oui. Mais c'est un départ. Voilà. Et enfin, donc, pour les poissons, c'est la carte qui s'appelle D. Donc, ce sont des dés. Alors, chers poissons, on vous dit de choisir le meilleur pour vous. Et vous savez ce que c'est. Et ce qui vous empêche, ce qui vous retient, c'est le mot est meilleur, ce qui vous retient pour le moment, c'est l'option, entre guillemets, d'un possible échec. Et donc, aussi pour vous, c'est d'une. Vous avez une moins d'assurance en vous. Et c'est ce qui vous retient. On vous dit que la voie la plus éclairée est toujours la meilleure. Alors vous seul pouvez choisir votre décision, parce que vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Alors, en petite remarque supplémentaire, c'est que, bien sûr, la voie la plus éclairée est toujours la meilleure pour vous, mais sachez que tout de même, elle n'est pas forcément la plus facile ou la moins risquée, mais c'est la plus meilleure. C'est celle qui est la plus en convenance avec votre besoin et qui vous permettra d'avancer davantage. Voilà, chers, j'ai envie de dire chers toutes et tous. Et puis, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Et puis, profitez-en bien, malgré le confinement. Voilà. Et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.